Voici l'une des raisons. Alors, le représentant de PPACI vient de faire un communiqué sur sa page Facebook dont nous allons vous lire en ce moment. Vous allez voir l'hypocrisie de M. Gervais Tiédé, qui est nommé au secrétariat aujourd'hui du PPACI. En même temps, il demande un dialogue politique au président Alassane Ouattara pour qu'on inscrive le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Et en même temps, il se prépare à faire des meetings et des sittings ou à Paris, et bientôt dans les jours à venir, voilà ce qu'ils ont préparé de Paris jusqu'à Abidjan. Donc Abidjan, ne sois pas étonné de ce qui va se passer dans les jours à venir. Alors, je ouvre ici le communiqué qui est là, voilà. On va lire ça ensemble, on va agrandir. Voilà, j'agrandis ici. Alors, chers panélistes, le communiqué est là, je vais vous montrer rapidement. Et vous allez écouter l'hypocrisie et la supercherie de Monsieur Gervais Tiédé. Rapidement, hein. J'ouvre ça rapidement. Je vais vous montrer ça ici. C'est ce qui défile derrière moi là. Vous voyez, nous tous à l'ambassade de Côte d'Ivoire. C'est ce qui défile sur mon panel. C'est ce qu'ils ont mis. Voilà. Vous voyez tous à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Sitting, de présentation PPACI France. La représentation du PPACI France demande l'inscription du nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'est pour ça la représentation PPACI dirigée par le dynamite Pascal Lobo va organiser des sittings samedi 13 avril 2024 devant l'ambassade de Côte d'Ivoire France. La représentation du PPACI Pascal Lobo appelle les partis politiques et la société civile représentés en France à rejoindre les militants sympathisants du PPACI devant l'ambassade de Côte d'Ivoire en France afin de demander la réinscription du nom de Laurent Gbagbo. Moi, il n'était même pas président. Laurent Gbagbo sur la liste électorale, tous devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Et cette stratégie, elle avait déjà été préparée depuis belle lurette où Monsieur Kone Katina et Alain Zaaté avaient déjà tiré notre attention sur ces faits. Alors, en même temps qu'il prépare ce sitting, et vous allez écouter ce que Gervais Tiédé prépare. On écoute ici Gervais Tiédé et on va déconstruire ça rapidement. Monsieur Gervais Tiédé, vous ne pouvez pas demander au président Alassane Ouattara d'ouvrir un dialogue politique pour vous et vous préparer des sittings en collaboration ou en connexion avec certains opposants. Monsieur Camara, faut fermer ton micro, s'il te plaît. Monsieur Camara, Kimia, faut fermer le micro de Monsieur Camara. Voilà. Monsieur Nous Info, ferme ton micro. Merci beaucoup. On écoute ici Gervais Tiédé lors de l'émission NCI 24. Vous allez écouter ce qu'il dit ici, c'est très important. Touré Mamadou n'a pas pu venir Oui, pour c'est normal que contingences. nos amis du pouvoir ne disent pas autre chose. C'est normal, c'est ça qui est cohérent. Maintenant, nous, on ne rentre pas dans cette querelle judiciaire ni juridique. On dit, asseyons. Il ne rentre pas dans ces querelles judiciaires et juridiques parce que nous les ramenons toujours à aller régler le problème de Laurent Gbagbo devant la justice. Parce que Ouattara n'est ni juge ni magistrat, comme Laurent Gbagbo nous a fait savoir hier. Ce que vous préparez en avril, on est tous ici, hein. Voilà, parce qu'on sait comment on nous a surpris pendant la désobéissance civile. Et cette fois-ci, vous n'allez jamais nous surprendre. On continue, oui. Nous, et discutons pour éviter que les fantômes du passé ne viennent nous hanter aujourd'hui. Le président Laurent Gbagbo est disposé. Il a montré toute sa disponibilité. Et nous voulons aller progressivement vers une Côte d'Ivoire démocratique et qui s'avère être un vrai état de droit. Dans un état de droit, on n'a pas le droit d'exclure des concurrents au motif qu'ils sont gênants ou alors ils peuvent être salés. Ce n'est même pas honorable pour celui qui a les manettes de faire en sorte qu'on exclue. Je rappelle que lorsque le président Alassane Ouattara a été exclu par la Cour suprême en 2000, Laurent Gbagbo était candidat. C'était sous la transition militaire et lorsque le président Laurent Gbagbo est devenu président, après les rencontres à Pretoria en 2004, il a pris une décision en 2006 à la demande de Thabo Mbeki pour que, conformément en s'appuyant sur l'article 48 de notre Constitution, pour que l'ancien Premier ministre Alassane Ouattara, l'ancien président de la République Henri Konan Bédié, soit candidat en 2010. À titre À titre exceptionnel en 2010. Exceptionnel en 2005, pardon. À titre exceptionnel en 2005. Donc, ce qui veut dire qu'en 2005, il confirme ce que j'ai dit. Hein. En 2005, Laurent Gbagbo n'a pas organisé des élections à titre exceptionnel uniquement que pour 2005. Mais 2005 est passé, Laurent Gbagbo n'a pas organisé d'élections. Et donc, l'article 48 dont il a pris de façon exceptionnelle en 2005
elle était caduque en 2010. En 2010, le juge constitutionnel a analysé le dossier de chaque candidat. Est-ce que l'ensemble votera? Il est ivoirien? Est-ce qu'il remplit les conditions pour être candidat? Donc, votre article 48 n'a pas été bénéfique au président Assane Ouattara parce qu'elle était construite que pour les élections de 2005. Ok? Donc, ferme-la. Voilà, monsieur, je vais t'aider. On continue. Donc, on a réglé ce genre de questions pour avancer par une volonté politique. Et vous souhaitez que la loi soit sans problème. Aujourd'hui, il faut une volonté politique pour qu'on enjambe les écueils, pour ne pas que les mêmes causes qui produisent forcément les mêmes épées ne soient devant. D'accord. Voilà, la question. Touré Mamadou n'a pas pu venir. Oui. Ok. Donc, je vais t'aider. En même temps, toi, tu dis, tu veux un arrangement politique. Tu veux qu'on arrange la situation de façon politique, mais tu organises des sittings ici. Alors, on écoute encore, je vais t'aider pour son deuxième passage et je vais venir vous montrer leur stratégie qui prépare depuis belle durée. On écoute cette vidéo, c'est très important. Alors maintenant, vous avez posé la question de savoir, le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Comment vous allez procéder? C'est la question que tout le monde s'est posée, cela. Depuis longtemps, nous disons qu'au cours des deux dernières décennies, la Côte d'Ivoire a connu des rebondissements, des crises. Franck Didi en parlait tout à l'heure. On a tous à cœur, et je pense que autant que nous sommes aussi sur ce plateau, mais aussi tous les téléspectateurs, les téléspectateurs qui nous regardent, Ivoiriens en général, les Ivoiriens en général, souhaitent que, à l'approche des élections, il n'ait plus le cœur qui bat, il n'ait plus d'angoisse. Il n'est plus de crainte pour l'avenir. Alors, le président Laurent Gbagbo a été chef de l'État, président de la République, élu pendant 10 ans. Après, il a été arrêté en 2011, conduit à Korogo pendant 8 mois, où il a passé un séjour que tout le monde connaît. Ensuite, il a été déporté à la CPI. Après 8 ans de procès, il a été acquitté. Il rentre dans son pays. Et sans de la moindre acrimonie, sans la moindre propension à la vengeance, quoi. Il dit, allons à la réconciliation. Première visite, président Bédier. Il rend visite au président Bédier pour le saluer, pour lui dire merci d'être passé le voir à Bruxelles quand il était en résidence surveillée. Deuxième visite, il rend visite au président de la République, au chef de l'État, pour parler avec lui, pour dire bon, effaçons les traces, les séquelles de la crise, les prisonniers politiques, il faut les libérer pour que tout le monde respire. Moi qui étais leur chef, je suis maintenant dehors. Et les choses ont beaucoup évolué en temps. Il y a quelques semaines, même des militaires sont sortis de prison. Il en reste aujourd'hui, on est actuel des choses. Comment vous allez faire? Alors, ce qu'on va faire, conformément à notre culture démocratique, asseyons-nous et discutons. Nous allons demander au gouvernement, au pouvoir en place, qu'on reprenne le dialogue politique, que sereinement, entre fils de du même pays, on discute pour que le nom du président Laurent Gbagbo soit réinscrit sur la liste électorale. D'accord. Merci beaucoup. En même temps, M. Pascal Lobo prépare des sittings ici que nous savons que les sittings qu'on prépare en France vont se terminer à Abidjan. Toi, tu ne peux pas demander au président Alassane Ouattara d'ouvrir encore un dialogue politique alors que le dialogue politique, on avait inscrit tout dedans. Le dialogue politique a pris fin et vous avez signé la fin du dialogue politique et aujourd'hui, vous vous préparez encore un autre dialogue politique et en même temps, le représentant du PPACI s'apprête à faire des sittings ici alors que nous savons qu'à partir des sittings ici, que vous allez les reproduire à Abidjan. Puisque Pichelou Balé nous a déjà dit, comment vous préparez tous ces sittings. Et Alain Zaté aussi nous avait déjà averti, je crois que c'était au mois de juin 2023 ou 2022, je ne me souviens plus, lui et Kone Katina, la bataille que vous devez mener, le combat que vous attendez mener pour que le nom de Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale, chose qui est impossible d'ailleurs, et on sait ce que vous préparez, la pression que vous préparez, tout ce que vous êtes en train de préparer. Monsieur, pardonnez s'il vous plaît. Tout ce que vous êtes en train de préparer, donc nous, on préfère anticiper. Et c'est comme ça la désobéissance civile est arrivée. Donc, écoutez ici Alain Zaté qui dit, pour que Laurent Gbagbo puisse compétir, il va falloir mener ce combat-là pour qu'on inscrit son nom sur la liste électorale. Et c'est ce que Gervais Tiédé nous fait croire qu'ils vont d'abord mener un dialogue politique. Mais, monsieur Gervais Tiédé, avant d'organiser les sittings et les meetings, avant de semer le trouble en Côte d'Ivoire, pourquoi n'attendez-vous pas d'abord que vous menez ce dialogue politique et est prêt fait et que vous n'avez pas gain de cause et vous faites ce sitting?
Pourquoi vous ne faites pas ça? Pourquoi vous ne passez pas par la voie des dialogues? Quels que soient les refus du gouvernement et que vous n'avez plus de porte d'issue et vous menez ce combat-là. Mais en réalité, vous êtes dans vos stratégies, vos visites hypocrites que Nadi Bamba vous a envoyé chez Soul to Soul. On sait ce que vous préparez et on sait ce que Dogoblé, même quand Dogoblé est sorti, on sait tout ce qu'il prépare. Mais nous, on est en train de préparer la communication pour anticiper. Parce que c'est comme ça que vous allez saluer le président Ouattara, hein, sur France 24, sur Afrique Média, sur RFI, sur toutes les plateformes. Mais cette année-là, vous n'allez pas nous surprendre. On va pas rester de se boucler, se gérer, à nous prendre petit mandat, le quatrième pont, trois étoiles, ça là c'est fini. On a fini de fêter la CAN, c'est fini. Maintenant on va parler politique. Ça c'est fini, hein. Les gars ne dormaient pas sur vos lauriers. Ils sont prêts à le salir. Hein. Alors on va écouter Alain Zaté ici. Et c'est suite aux communications d'Alain Zaté et M. Kone Katina que nous sommes en train de se préparer en conséquence. Et le sitting que vous préparez ici, vous n'allez pas nous marataper. Le gouvernement va mettre sa stratégie en place. Vous allez mettre votre stratégie en place et nous, la communication, nous allons anticiper. Comme ça, là, vous n'allez pas venir nous salir demain. Jamais de la vie. On écoute Alain Zaté. Très important. Et puis, là, on propose des gens au président Laurent Gbagbo qui ne sont pas peut-être des gens qu'il faut au moment où il faut, parce que nous sommes à une élection qui s'ouvre sur 2025. Nous sommes à une élection où en 2025, nous allons parler bientôt là même, dans le mois de mai là. On va nous dire si le président Laurent Gbagbo est inscrit sur la liste où le président Laurent Gbagbo n'est pas inscrit. Mais ce qu'il faut, c'est les militants. Voilà. C'est les militants qui vont faire un rapport de force. C'est les militants qui vont faire un rapport de force. Et ça, c'était au mois de juin, je crois bien, avril, pardon, 2023. Donc, vos rapports de force que vous préparez, parce qu'on sait que ces rapports de force-là vont pas se faire sans bisbille. Donc, nous, on se prépare en conséquence. Parce que il faut qu'on garde toutes vos vidéos. Ça, là, je l'ai achevé. Hein. On va tout garder. On va tout garder. Voilà. Vos rapports de force là, vous allez nous trouver sur terrain. On va faire rapport de force là ensemble. Père désobéissance civile là, vous nous avez surpris. Hein. Vous avez trop surpris. C'est foutaise. On écoute. Pour imposer le candidat, pour dire que le président Laurent Gbagbo a été déjà jugé à la CPI. Donc ce qui se passe, mais il faut pas de la friction. Voilà, d'accord. Et Alain Zaté nous avait déjà attiré notre attention depuis avril 2023. On va écouter Kone Katina ici. Parce que c'est vos combats que vous voulez mener là. Il faut que nous, on se prépare en conséquence. Tous vos réunions, vous faites les soroïs, tous vos petits sittings que vous préparez à Paris ici, qui va se terminer à Abidjan, nous, on est formés. Même si le gouvernement est formé, nous, en matière de communication, il faut que nous, on anticipe. C'est tout. Venez saluer le pouvoir du monsieur, pourquoi? Trois étoiles, on a dit, après c'est fini. Quatrième pont, on a dit, fini. Cinquième pont est fini. Bientôt, pont Benjamin, il va rentrer en action. Métro arrivé, vous protégez ça là. Apprêtons-nous en matière de communication. Ils sont prêts. Nous, on doit être prêts aussi. Voilà, c'est tout. On écoute Kone Katina. Le PPACI a désigné le président Laurent Gbagbo comme candidat naturel à la prochaine élection présidentielle de 2025, alors même qu'il ne figure pas sur la liste électorale. Non. Pourquoi? Alors, le PPACI n'a pas encore désigné le président Laurent Gbagbo comme étant notre candidat, son candidat. À l'anniversaire, pendant les tribunes marquant le premier anniversaire du parti, le secrétaire général du parti a exprimé à haute voix les attentes de nos militants. Partagez-les. Il n'a fait que dire à haute voix ce que les militants attendent. Quant à la désignation du président, de notre candidat, il y a une procédure, le parti est organisé, c'est un parti légaliste qui est structuré, et donc il y a une procédure qui est suivie, et au moment opportun, nous allons donc nous accorder et nous allons rester fidèles à ce processus-là pour que le président, la personne que nous allons désigner comme étant notre candidat, soit effectivement désigné conformément à nos thèses. Effectivement,
pour tous les militants, y compris moi, y compris tous les autres, notre candidat naturel, celui qui incarne aujourd'hui notre espérance, celui qui peut porter nos combats. Nous n'avons pas un, nous n'avons pas deux, nous n'avons pas trois, nous n'avons qu'un seul, il s'appelle le président Laurent Gbagbo. Voilà. Et pour être éligible, vous faites électeur, comment allez-vous faire pour qu'il soit réinscrit sur cette liste électorale? Alors nous, lorsque vous voulez quelque chose, vous attelez à travailler, à l'obtenir. Le plus important, c'est la volonté des militants. Et ils se donneront les moyens pour que le président Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale au moment opportun. Qu'il soit candidat. Ça, c'est au moment opportun, il le sera. Ok. Les moyens que vous allez vous donner pour qu'il soit inscrit sur la liste électorale, vous allez nous trouver sur le terrain. Oui. Nous tous, on va se donner les mêmes moyens pour ne pas qu'ils soient inscrits sur la liste électorale. Parce que vous êtes en train de vous préparer. Vous pensez qu'on dort, hein? Vous pensez qu'on dort? On ne dort pas. On a fini de fêter la CAN, c'est fini. Vous pensez qu'on dort et que vous allez venir saler à la San Ouattara comme Guillaume Soro l'a fait en 2020? Souvenez-vous, Guillaume Soro vous avait déjà dit que lui, Guillaume, il va pas rester à l'extérieur pour annoncer sa candidature et que si quelqu'un veut l'arrêter, comment lui va faire demain? Donc, s'il doit annoncer sa candidature, il le fera dans son village ou en Côte d'Ivoire. Mais résultat des courses, Guillaume Soro, pour anticiper sa désobéissance civile et son coup d'État, a annoncé sa candidature en Italie. Donc, cette fois-ci, vous n'allez pas nous marataper. Donc, les moyens que vous allez vous donner pour inscrire le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, où je vais t'aider par d'un dialogue politique, alors que le dialogue politique n'a même pas encore commencé, on prépare les sittings et les meetings. Alors, le rapport de force que vous voulez créer à Abidjan, il faut que nous, on soit prêts sur le terrain. Et faites confiance à votre humble serviteur, là, dit qu'il serait au niveau de la communication. Je serai là pour alerter. Et donc, Michel Balé nous a déjà dit, et comment ça va se passer, leur stratégie, tout ce qu'ils sont en train de préparer, Dieu merci qu'ils ont déjà tout avoué. Michel Balé maintenant va venir nous dire ici, et je vais vous donner l'antenne. Voilà comment ils préparent maintenant leur stratégie, dans le mensonge. On écoute ici Michel Balé, puis c'est fini. Alors, Madame Pucheré-Balé, est-ce que en l'état actuel, il faut peut-être croire désormais que un scénario à la Burkina Faso ne serait pas possible en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire une véritable manifestation populaire qui amène véritablement au renversement, on va dire, au changement structurel, politique et même économique du côté de la Côte d'Ivoire. Vous savez, quand le peuple est oppressé de toutes parts, c'est ce scénario-là qui se dessine forcément. Il se trouve qu'en Côte d'Ivoire, il y a une politique de la terreur qui ne garantit pas ce scénario. Voilà, parce que, comme on le disait tantôt, les manifestations pacifiques ne sont pas autorisées. Mais... C'est faux, Madame Pichelou Balé. Vous n'avez jamais demandé une manifestation pacifique. La dernière manifestation que vous avez demandé, c'était une stratégie de sauter le président Assane Ouattara du pouvoir. Et M. Hervé Djedjé nous a déjà tout expliqué dans une vidéo. Mensonge. Maintenant, est-ce que l'opposition ou la société civile auront le courage et la force de se lever malgré toutes ces entraves? Ça, c'est une question à laquelle l'avenir nous répondra. Mais dire qu'en l'état actuel, vu tout ce que nous voyons, ce n'est pas évident que ce scénario se passe parce que les Ivoiriens ont peur, les Ivoiriens sont terrorisés. Voilà. Ok, d'accord. Vous avez peur, vous êtes terrorisés. On attend maintenant votre manifestation. Bref, alors, chers panélistes, j'ouvre le micro, je préfère m'en arrêter là pour que chaque militant et militante puisse donner leur avis, parce qu'en matière de communication, on ne doit pas dormir sur nos lauriers. On a été surpris. En 2020, vous avez vu qu'elle a provoqué près de 87 morts. Et nous savons ce que l'opposition est en train de préparer. Pendant que nous, on est en train de parler 3 étoiles, métro et développement, eux, ils se préparent à venir détruire tout ça et mettre les enfants des gens dans la rue et salir l'image du président Assane Ouattara, salir la Côte d'Ivoire, alors que Gbagbo n'est pas prêt à respecter les décisions de justice. À son tour, il a fait savoir à Assane Ouattara s'il a un problème avec la justice, qu'il a avec la justice. Est-ce que nous, on est sortis dans les rues? Et d'ailleurs même, les petites manifestations qu'on demandait sous Laurent Gbagbo, on sait comment elles s'est terminées. Dans le sang. Voilà. On tuait nos militants. Voilà. Merci beaucoup. Alors, chers panélistes, je vous donne la parole. Sous toi là, toi traite là, tu vas m'attendre samedi, Inch'Allah, tu as mes sentis. Alors, pour te dire que tu as trahi le combat des Ivoiriens, tu as trahi le combat de tes frères, ici là, j'ai un petit truc pour toi. J'ai un truc pour toi. Que je vais te faire écouter
tout à l'heure. Alors, je te fais écouter ça tout de suite. Boka Ozoku nous avait déjà parlé de votre traîtrise. Boka Ozoku nous avait déjà dit ce que vous, comment vous avez dealé le combat de vos frères d'armes. Mais c'est nous, on voulait se dire. On lui avait pas encore donné la deuxième partie. Ok? Ma chérie, attends d'abord. Voilà. Écoutez cette vidéo. Celui qui m'a trahi, Babou, non? À vivre. Il a une fois été fidèle à qui? Celui qui a une fois été fidèle à qui? Viens nous dire sous ce qui m'a trahi, Babou, non? Le père Babou Laurent, le président Babou Laurent, l'a nourri. Oui. Il lui a donné tout ce qu'il fallait. Mais celui qui m'a trahi. Voilà. Il allait rejoindre le président Ouattara. Et dans le combat que le RDR menait, puisque le RDR estimait à l'époque que les ressortissants du Nord étaient proscrits de la République et qu'ils étaient considérés comme des lépreux, donc des impies, à ce combat-là, Sorogyo dit avoir rejoint le RDR. Mais là encore, il a trahi le RDR, eux, Alassane Ouattara, en pactisant avec nous. C'est-à-dire qu'il est revenu à ses vomis pour les manger. Et c'est comme ça qu'il a pu bénéficier de châteaux. Ses amis ont pu intégrer le système à l'époque. Soit dans les filières Café Cacao. Merci ils ont beaucoup. Des entreprises Merci. Qui fonctionnaient. Et qui, des entreprises qui faisaient de gros chiffres d'affaires. Merci. C'est comme ça. Parce qu'il avait vendu la rébellion. Parce qu'il avait fourni des secrets, y compris les éléments qui ont conduit à la révocation de Beugré Mambé à la tête de la commission électorale indépendante. Sur ça, c'est pour toi. Jusqu'à ce que lui-même vienne négocier un poste de premier ministre. Voici ce qu'il est. Et il va encore partir trouver le président Bédier et faire des déclarations intempestives en faisant croire qu'il n'y aurait pas d'élection en octobre 2020. Tous les Ivoiriens à qui il a vendu de l'utopie, des illusions, avec des déclarations intempestives, fades, sans véritable contenu. Ok, Soul, ça c'est ta première réponse. Et demain, Inch'Allah, samedi, tu vas me sentir, petite traite. Voilà comment vous avez trahi le combat de vos frères. Quand il dit que papa, Babou est ton papa aujourd'hui, oui, Babou a nommé comme ministre, et non, comme ambassadeur. Mais toi, tu penses que c'est comme ça, on nomme des gens comme ambassadeur, si vous n'avez rien vendu aux gens-là. Laissons ce débat-là. Je reviens sur toi samedi, Inch'Allah. Ton papa, Babou, toi, il est vous ramasser samedi, tu vas apprécier, Inch'Allah. Alors, qui m'a faut donner la parole au panéliste, c'est bon. Là, dit les 0 est en 5. Oui, il faut donner la parole au panéliste. Ok, bonsoir, bonsoir. Est-ce que tu peux prendre la parole? Figuez, je vais descendre, s'il vous plaît. Charles Béni, tu es là? Bonsoir. Je suis un peu occupé. Comme ça, il faut lui donner la parole. Ah, exceptionnellement. Okay. C'est bon? Oui. Ok, merci bien. Bon, moi, je vous salue. Hein. Et bonsoir, bonsoir, le frère Ladji. Merci. Bonsoir. La sœur Kimia, bonsoir à tous les panélistes. Et excusez-moi, les deux là sont mes frères et sœurs. Et je suis le Djibroussou. Hein. Voilà, il m'appelle Djoumandé. Et moi je vous dis, vous voyez, Ladji, moi je vais me prononcer sur le cas de Laurent Gbagbo. Et Ladji, Laurent Gbagbo n'est pas le centre d'intérêt de la Côte d'Ivoire. Merci. Laurent Gbagbo n'est pas le centre de gravité de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire a ses principes fondamentaux. Et Laurent Gbagbo et tous les Ivoiriens doivent se conformer à ces principes fondamentaux-là. Et c'est ça la République. Alors, vous voyez, et moi je me dis que les Ivoiriens en particulier et les Africains en général disent que la vraie démocratie n'est pas pratiquée en Afrique. Mais une fois on applique les tests, on applique la loi, et les gens disent que oui, et ils sont en train, et les gens parlent dans tous les sens en disant que oui, en Afrique, il n'y a pas de démocratie. Mais qu'est-ce qu'une démocratie? Pour eux, qu'est-ce que la démocratie? C'est tout simplement pour moi, c'est le respect des tests.
c'est le respect des principes, c'est le respect des tests. Tout ça fait partie aussi de la démocratie. Mais aujourd'hui, nous avons une autre loi en Côte d'Ivoire. On te dit, toi, tu n'es pas éligible. Et tu dis que non, tu veux être sur la ligne électorale forcée. Mais ça ne peut pas se faire. Oui, j'arrive, vas-y. Ça ne peut pas se faire. Il faut se conformer à notre loi. Et toute personne qui va essayer, et je dis bien toute personne qui va essayer de transgresser notre loi, et sera matée. Et je vous dis que l'État est l'entité terrestre la plus puissante et a le droit de transgresser et a le droit de taper tous ceux qui vont essayer de transgresser nos principes fondamentaux. Et nous là, l'homme en tant que tel a basculé dans la raison et créé des lois pour que l'État nous gère. Mais nous ne sommes pas dans le monde animal. Nous sommes quittés dans notre animalité. Et nous sommes dans notre propre société. Mais nous ne sommes pas dans le monde où ce qui règne et la mort de tous compte tous. Non! Vous voyez, il faudrait que certaines personnes respectent notre loi. Et ça va être très, très important. Et ça va être aussi, je dirais même, et bénéfique aussi pour l'avenir de notre pays. Alors nous avons des dirigeants qui sont en place, qui ont une projection, et je dis bien une projection à long terme. Et c'est ce que nous voyons. Depuis 2011, on a mis ça en place, et nous voyons des fruits aujourd'hui. Voilà des personnes qui ont déjà gouverné le pays pendant 10 ans, ils n'ont rien fait, et ils veulent encore réveiller des vieux démons que nous avons enterrés. Mais ces vieux démons sont déjà bétonnés. Ils ne peuvent plus réveiller ces vieux démons. Et je vous dis, le FPI, le PPACI, enseignement, le FPI, et ont un laboratoire de fabrication de mensonges. Merci. Là, dis-moi, il te dit ça aujourd'hui. C'est pourquoi il faut anticiper. Pour ceux-là, ils ont un laboratoire de fabrication de mensonges. Ce sont des menteurs à grande échelle. Et je vous dis, ils sont forts dans tout. Ils sont forts dans la manipulation, dans la propagande. Mais aujourd'hui, à l'instant T, avec, nous avons aussi des réseaux sociaux, en l'occurrence, qu'on appelle Facebook, TikTok, qui sont aussi des moyens de communication à grande échelle. Merci. Et nous avons aussi des moyens, pour les contrecarrer. Et nous sommes prêts à toute éventualité. Effectivement. Comme tu le disais tout à l'heure. Mm-hmm. Que tu vas les bombarder. Mm-hmm. Et le samedi, nous sommes là encore, il faut les bombarder. Cela, leur manipulation ne passera pas. Et le monsieur Laurent Gbagbo, s'il n'est pas éligible, il va se mettre à l'écart. Mais c'est clair. Nous sommes dans un pays de droit, nous sommes dans une république. C'est une république, la Côte d'Ivoire. Donc tout le monde doit respecter notre principe. Et moi, je vous dis, des souris aujourd'hui qui sont en train de parler du gauche à droite quand il va sur leur panel, ils sont en train de dire aujourd'hui que oui, que M. Laurent Gbagbo doit être, son nom doit figurer sur la liste électorale. Mais qu'ils arrêtent de jouer, de jouer, je dirais même à, qu'ils arrêtent leur hypocrisie. Oui. Là, dit. Mm-hmm. N'est-ce pas? C'est leur mentor qui disait hier, que le monsieur Laurent Gbagbo méritait la Cour pénale internationale. Merci. Mais aujourd'hui, ils sont en train de changer de parole. Là, dit, moi, j'ai compris cela. Oui. Ils veulent venir au pouvoir par tous les moyens. Effectivement. Avec leur plan machiavélique. Merci. Mais ça ne marchera pas. Aujourd'hui, nous avons un président à la tête de la Côte d'Ivoire qui est en train de faire des grands boulots pour notre pays et les Ivoiriens s'en souviennent et les Ivoiriens voient ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc moi, je pense qu'ils arrêtent de faire de la manipulation et qu'ils viennent aussi, qu'ils disent la vérité aux Ivoiriens et tout ce que nous voulons aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils proposent aux Ivoiriens? Qu'est-ce qu'ils proposent aux Ivoiriens? C'est en fonction de ça, on va les voter. Nous avons notre mentor et là son bilan et qu'ils viennent aussi avec leurs propositions, avec leurs projets sautés, avec leurs programmes de gouvernement et en fonction de ça, si on peut éventuellement les élire et à part de ceci, on pourra le faire. C'est projet contre projet, bilan contre bilan, pas de souci. Alors, vous voyez, là, moi, je vais dire quelque chose et puis je vais descendre. Ouais, vas-y. Et aujourd'hui, les Ivoiriens ont changé de mentalité. Les Ivoiriens ont changé de mentalité. Vous voyez, ceux qui faisaient des cris de guerre, hier, aujourd'hui,
C'est pas la même chose. Il y a eu ce qu'on appelle l'Ivoirien nouveau. Tout ce qu'ils sont en train de dire là, ils veulent créer des zizanies en Côte d'Ivoire, mais ça ne marchera pas. Moi, je te dis ça aujourd'hui, ça ne marchera pas. Oui, on a compris beaucoup de choses. Et nous avons compris quels sont ceux qui étaient le malheur de la Côte d'Ivoire. Et nous avons compris, durant 10 ans, pendant 15 ans, depuis le président a pris le pouvoir, on a vu quels sont ceux qui étaient le malheur de la Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes contemporains de l'histoire. On a vu ce qui s'est passé hier en Côte d'Ivoire. Mais s'il veut réveiller des vieux démons, je pense que et ça va se retenir contre eux-mêmes. Laissez notre Côte d'Ivoire prospérer. Le président Ouattara travaille, il est en train de travailler. Et si vous voulez que le président Ouattara, si vous estimez que le président Ouattara n'est pas populaire et mesure sur un seul cheval contre lui, nous allons voir. Mais si tu n'es pas éligible, tu n'es pas que présentateur de son présidentiel. Et c'est clair. Et c'est la même chose qu'ils ont voulu faire, hein, en 2000, en 2020. Et ils ont créé leur fameuse CNT. Et on a vu comment ça s'est terminé. Et c'est la même chose qu'ils veulent faire encore en 2025. Mais en 2025, là, on va mater tous ceux qui vont essayer de créer la tisanée dans notre pays. Parce que notre pays n'est pas un pays de désordre. Et là, je m'arrête là. Merci. Alors, vas-y, Kimia. Ils sont aussi tuteurs entièrement, hein, en train de mener ce débat là fort. Charles Béni, tu es là. En train de mentir là-bas. Bon, Charles, on l'a dit. Moi, je vais défendre. Tu es là, bonsoir. Charles Béni, est-ce que tu es là? Je t'envoie une invitation pour ouvrir ton micro. Charles Béni. Ah, bon, il n'est pas là. David Ben, est-ce que tu es là? Bonsoir. David Ben, je t'envoie une invitation pour ouvrir ton micro. Faut que tu acceptes oui ou ok. Oui, David Ben, tu es là ou pas? Oui, je suis là. Bonsoir. Bonsoir. Kimia, j'espère que tu vas bien. Bonsoir, Ladji Chérif. Bonsoir, David. Bon, j'ai compris tout ce qui se passe. J'ai écouté un peu ton analyse et il me revient à dire que tout ce qui se trame là, Ladji, tu as été l'un des meneurs pour détecter tous les secrets qu'ils mettent en place. Parce que j'ai vu pendant la désobéissance civile, ta réaction et puis tes vidéos ont vraiment été un poids pour la destruction de leur plan machiavélique. En tout cas, on te félicite pour ça. Hein. Que Dieu nous donne tous longue vie et que Dieu donne longue vie au Prado. Mmh. Bon, en ce qui concerne la rencontre des peuples assis avec Soul to Soul, mais là, il faut comprendre. C'est la même démarche que Gbagbo avait menée en 1995 avec Ouattara en créant le Front Républicain. Mais dès que l'occasion s'est présentée à Gbagbo, mais il a porté l'estocade à Ouattara. Donc du coup, il est dans le même schéma avec Sorogium en fait. Voilà des gens dont les militants toujours invectivent Sorogium en disant que Sorogium était c'est le chef de la rébellion, tout et tout, et que le jour où Gbagbo viendra au pouvoir, tous ceux-là iront à la PCPI. Donc, c'est à eux de comprendre. C'est à eux de comprendre le plan que Gbagbo a mis en place. Et puis aussi, chose comment on appelle, ils sont en train de mettre aussi leur poids, un plan machiavélique aussi avec la FECI. Bon, déjà, le gouvernement construit des écoles, des universités. Actuellement, même des écoles de formation sont en construction. Mais là, dis de toi à moi, depuis que le gouvernement construit toutes ces universités en Côte d'Ivoire, est-ce que tu as vu la FECI venir dire merci au gouvernement? Jamais. Voilà. Donc, pour une petite école cassée à la GESCO, tu as vu tout ce remue-ménage qu'ils ont fait autour là? Oui. Mais lorsqu'il y a du bienfait, jamais ils viendront pour dire non, merci monsieur le président. Pourtant, autant de Gbagbo. Je me rappelle, les gens prenaient les cours sur les gazons. Il n'y avait même pas d'amphi, il n'y avait même pas de salles. Les salles étaient bondées de personnes, les amphis aussi, pareil. Il n'y avait pas de mais aujourd'hui, voilà, il n'y avait même pas de climatisation. Aujourd'hui, Ouattara a désenclavé tout ça là. C'est-à-dire qu'il a construit l'université un peu partout pour ne pas que celui qui est à Bonoukou vienne à Abidjan, celui qui est à Odjidé vienne à Abidjan.
ils viennent à Abidjan. Ils viennent à Abidjan. Sinclair. Sinclair, lui, il a compris au fait qu'il ne faut pas mélanger la politique avec, comment on appelle, l'école. Mais le nouveau secrétaire général qui est là, lui, il est dans, comment on appelle, il est dans la politique de la terre brûlée au fait. Tu vois, on peut le manipuler à tout moment et il est prêt à aller au charbon. Donc, sur ce point-là aussi, n'oublie pas, il faut te prononcer aussi dessus. Parce que tous les plans-là, ça part comme ça. Même, je me rappelle même en 95, Babou était, il rencontrait toute la jeunesse étudiantine et même les syndicats, Sinares, tout et tout. Tout cela était rencontré par Gbagbo Laurent, rien que pour paralyser le pays. Donc, ce plan n'a pas été oublié. Quoi. Si tu veux vraiment faire tes analyses, il ne faut pas oublier de citer un peu la FECI. Voilà, parce que c'est une branche armée de Gbagbo Laurent aussi. Donc, merci. C'est que toi, tu as compris la stratégie. Merci pour toi. Tu as tout compris. Et c'est ce qui prépare dans l'ombre actuellement. Vraiment, merci pour toi, David. Bonne analyse. Merci beaucoup. Bonsoir, tu es là ou pas? Bon, je te fais descendre, tu me feras ta demande parce que là, je te vois pas. DS, bonsoir, est-ce que tu es là, DS? Je t'envoie une invitation pour ouvrir ton micro. DS, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Kimia, bonsoir Ladji, bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir. Moi, je vais pas trop durer, hein. Je viens pour dire un peu ce que Ladji a étalé déjà. Voilà, ce que Ladji a dit déjà. Et voilà, me prononcer dessus. Bon, je voulais dire que concernant la rencontre de la délégation du PPACI chez Soul to Soul, ça ne devrait même pas étonner quelqu'un. Et moi, je savais que ça allait se passer. Je savais parce que eux, à la base, c'est comme ça ils sont. À la base, c'est des populistes. À la base, c'est des récupérateurs. Et ils font toujours de la récupération politique. Mais ils n'ont jamais, au grand jamais, de solution à donner. Voilà. Alors, et je trouve ça malheureux déjà, puisque Charles Blégoudé, même qui était avec eux, qui est sorti de prison, ils n'ont jamais cherché à le croiser. Ils n'ont jamais cherché à causer avec lui. Et se lever aujourd'hui, aller saluer sous le dessous, je ne dis pas que c'est mauvais, mais ça devait passer au second plan. Charles devait passer avant. Et bien avant Charles, quand que Charles ne sorte, quand M. Laurent Gbagbo est sorti de prison, peut-être si quelqu'un ici, il y a un gars du PPA ici qui va m'apporter, qui va me dire le contraire, il ne pense pas que Gbagbo soit passé chez les parents de Zéro Tagro ou de Boun Boabré ou de Draman Sangaré, ou de Boga Doudou, pour aller saluer leur mémoire. Je ne pense pas, je n'ai pas vu de communiqué dessus. Peut-être que je ne suis pas informé dessus, mais je n'ai pas vu. Et ça devait se faire déjà. Ça ne s'est pas fait. Se lever aujourd'hui pour aller saluer un soul tout soul, c'est de la récupération. C'est ça, le populiste. Voilà. Maintenant, je voulais me prononcer aussi sur le fait de leur plan, le plan qui est en train d'être mis en place. Que Ladji a commencé à dénoncer déjà, qui est très bien. Je pense que déjà, à part les gars du PPACI qui préparent ce plan-là, le gros plan même se prépare déjà dans le camp de Guillaume Soro avec ses panélistes. Des gens comme des gars comme il faut écouter. Il faut aller s'asseoir, écouter, prendre le temps de commencer à écouter les directs de l'homme coup de main, là. Comment il s'appelle là? Parigo. Ouais, Parigo, l'ancien chargeur de bagages, l'ancien chargeur des bagages de la gare de Ban, à main, qui est devenu chef de gare là-bas, qui est né en Guinée et qui n'est même pas ivoirien déjà, qui vient toujours là parler mal de notre président. Ce qui se dit sur le panel de Parigo, c'est pas possible. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se prépare.
Et il y a, quand Zouzou, il y a quelqu'un, il y a un gars qui s'appelle Zouzou, quand il prend la parole, quand Dosso Vassanoussi prend la parole, et quand avec le général Ahmed Konaté, qui est un Guinéen qui habite à Dalwa aussi, qui s'est fait passer par un Ivoirien, que tous les Ivoiriens aujourd'hui, quand ceux-là ils prennent la parole, la haine, c'est-à-dire que tu sens la haine viscérale, tu sens qu'il y a quelque chose qui se prépare, et en complicité maintenant avec les gens du PPACI. Donc déjà, alerter ça, c'est très important. Il ne faudrait pas qu'on reste là couché sous nos lauriers et dit que oui, c'est bouclé, pas. Non, il faut commencer dès maintenant à aller au charbon. Et nous sommes prêts. Nous sommes prêts sur tous les plans, on les attend. Et je vois les commentaires qui sont là, vous pouvez faire quoi. Chacun sait de quoi chacun est capable. Effectivement. Chacun connaît la puissance. Voilà, chacun connaît. Chacun. On est ici en Côte d'Ivoire, nous tous on a bien ici, nous tous on se connaît. Si tu vois que les gens font des bêtises et que nous on ne parle pas, c'est parce que le président, il est dans une logique de réconciliation. Voilà. Mais on attend. Et c'est très bien là de déjà alerter les gens pour qu'on se réveille. Voilà. Et la communication, elle est très importante. Ladji le fait très bien. Voilà, Ladji le fait très bien. Et il y a Johnny Pacheco aussi qui le fait très bien. Donc il faut que ça suit. Il faut que ça, nous on est là, on est en bas, on va soutenir et puis bon, c'est ça quoi. C'est ce que je voulais dire. Mais ce bon, soir. Je suis là. Ils sont en train de se préparer. Toi, mais t'es allé écouter les parler. Il y a écouté des propos aussi des parler. Ah, oui. Parce que l'endroit où il était là, je ne pouvais pas enregistrer. Faut pas. Tu peux pas écouter le panel du gars là, du gars du mal, et puis dormir tranquille. C'est pas possible. Parigo, c'est pas possible. Tu peux pas. Tu sens la haine qui est là. Mais on dit, allons aux élections, bilan contre bilan. Celui qui peut être candidat va être candidat. Celui qui ne peut pas être candidat va à la maison tranquillement. Vous dites non. Vous dites non. Vous voulez en découdre forcément en 2025. Et M. Gbagbo, je dis ça toujours à mes amis PPAC. M. Gbagbo fait partie des vestiges du passé. Le passé très lointain. Il ne peut pas gouverner la Côte d'Ivoire encore parce qu'il n'a plus rien à apporter à la Côte d'Ivoire. Lui, il est actionné par Nadi Bamba et les Stéphane Kipré et autres. Sinon, lui-même en tant que tel, non mais c'est fini. C'est fini. À le voir même physiquement, quand tu le vois comme ça, tu sais qu'il peut... Non. Je ne parle pas de l'âge, je ne parle pas de tout, mais Gbagbo est fatigué. Il est waro comme on dit. Il est fatigué. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Créer la chenille. Qu'est-ce qu'eux veulent? Créer le désordre. Parce que c'est dans le désordre que Gbagbo gagne du jus. C'est un personnage chaotique. Quand il y a le chaos, lui, se sent à l'aise. Et nous ne voulons plus de ça en Côte d'Ivoire. Nous voyons comment ça, tout se passe en Côte d'Ivoire, comment le pays est. Mais on ne peut plus rester dans ça. Nos enfants grandissent. Hein? On ne peut plus dire que non, on va revenir dans la guerre encore. Et puis bon, reprendre tout à zéro. Vraiment. C'est ce que je voulais ajouter ce soir. Là, je dis vraiment merci beaucoup. Merci à Kimia aussi de m'avoir laissé parler. Bonsoir, bonsoir. 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 Ouais, bonsoir, monsieur Chérif. Bonsoir, Miss Kimia. Bonsoir. Bon, mon frère Ladji, tu sais, tu le connais mieux que moi. Hein? Monsieur Laurent Gbagbo n'a pas changé de posture depuis qu'il est rentré en politique en Côte d'Ivoire. Vraiment, nous, on a eu la chance vraiment de connaître le FPI depuis qu'ils sont sortis un peu de la clandestinité jusqu'à sa prise du pouvoir. Et on a été, contrairement à ce que les gens pensent, la base du FPI, c'était le Nord. Hein. La base du FPI, c'était les gens du Nord. Mais malheureusement pour lui, à vouloir combattre M. Ouattara, il s'est mis à dos les gens du Nord. Sinon, les gens, ils pensent ce qu'ils veulent, mais le Nord a été toujours ouvert à tous les politiciens ivoiriens, tous les politiciens. Oufou Boigny, sa base, c'était au Nord. Laurent Gbagbo, au départ, sa base était au Nord. C'est quand Laurent Gbagbo est venu au pouvoir
que ceux qui s'agitent un peu à l'ouest, machin, qui se font passer pour ses parents, pour adhérer à son parti. Bon, ce que moi je voudrais dire, comme le frère qui vient de parler, Monsieur Laurent Gbagbo, c'est un homme du chaos. Monsieur Laurent Gbagbo, c'est comme un charognard. Les charognards, ils ne prospèrent que où il y a les cadavres d'animaux et autres. Mm-hmm. Il n'apparaît que lorsque il y a des problèmes. Mais heureusement qu'on a, nous avons un président qui il est assez méticuleux, assez minutieux, vraiment qui fait de l'anticipation. Parce que l'une des choses que le président a anticipé, c'est la sortie des 51 personnes qui étaient à la Maca. Oui. Parce que ça allait être leur prétexte. Hein. Mm-hmm. C'est ce qu'ils allaient prendre comme prétexte pour semer le chaos. Mais comme le président, il a vu les choses venir, mm-hmm. il a fait sortir ces gens-là de prison. Maintenant, mm-hmm. qu'est-ce qu'ils peuvent venir nous proposer maintenant? Parce que leur bilan, c'est zéro. Ils n'ont pas de projet. Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est de venir prendre maintenant Gbagbo comme leur candidat aux élections de 2025. Sinon, en temps normal, hein, M. Ladji, en temps normal, même si M. Gbagbo même, il était inscrit sur la liste électorale, qu'il était éligible, mais qu'est-ce que M. Laurent Gbagbo même peut apporter au PPAC? Qu'est-ce qu'il peut apporter à plus forte raison à la Côte d'Ivoire? Sauf que ils vont l'utiliser comme un appât pour pouvoir mettre le pays à feu et à sang, c'est tout. Mais vous avez dit quelque chose que nous devrions inscrire dans notre subconscient, c'est-à-dire que la désobéissance civile de 2020, ça nous a surpris parce que nous on ne pensait pas que les gens ils allaient arriver jusque là. Mais ouais. Comme ils nous ont déjà montré toutes les facettes de leur politique, mais vraiment aucun Ivoirien ne doit être surpris. Chacun doit être sur ses gardes. Dieu merci que vous faites déjà de la communication. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes Ivoiriens, bon, heureusement, beaucoup de jeunes Ivoiriens peuvent plus s'intéresser à leur façon de faire. Parce qu'aujourd'hui, remarquez quelque chose, à l'époque de M. Laurent Gbagbo, où on vendait les journaux, là, mais c'était des centaines de jeunes où vous vous trouvez devant les journaux. Oui. On les avait même nommés les titrologues. Mm-hmm. Les jeunes qui faisaient des cabines, des jeunes qui étaient à la Sorbonne. Donc, c'était des jeunes assez manipulables. Mais aujourd'hui, les jeunes, en majorité, quand ils sortent aujourd'hui, ils ont quelque chose à faire. Ils s'en vont se débrouiller. Donc, vous ne pouvez pas demander à ces jeunes-là aujourd'hui de prendre la rue pour aller se faire tuer, pour aller affronter les corps armés. Ça, c'est quelque chose. Même quand Plichely Balé dit que non, les Ivoiriens ont peur. C'est pas parce que les Ivoiriens ont peur, mais les Ivoiriens sont passés à autre chose. Les Ivoiriens, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, les Ivoiriens savent ce que chaque politicien veut pour la Côte d'Ivoire. Et Dieu merci, chaque politicien a eu à gérer ses pays. On sait de quoi chacun est capable de faire. Donc, vraiment, c'est bien de nous amener dès maintenant pour qu'on prenne nos dispositions. Avant qu'ils arrivent au président, ils vont nous trouver sur les routes. Il suffit seulement qu'on fasse payer, chacun va porter son lequet avant qu'ils vont aller dire que non, les corps habillés les ont attaqués ou bien ceci, cela. Mais entre nous, parce qu'ils veulent un match retour, forcément on va se donner ce match retour-là. Et puis,